L'espace Schengen au cœur d'un sommet contre le terrorisme aujourd'hui à l'Elysée. L'Autriche, l'Allemagne, l'Union européenne et donc la France vont tenter de s'accorder sur les mesures à prendre après la mort de Samuel Paty, les attaques de Nice et celles de Vienne. Pierre-Eric Bonneau. Garder notre liberté de circuler dans l'espace Schengen tout en renforçant la sécurité. Voilà l'esprit de la réforme qu'appelle de ses voeux Emmanuel Macron, selon un député européen marcheur. Les discussions qui s'ouvrent cet après-midi vont porter sur deux axes majeurs, estiment les diplomates. Le renforcement des contrôles aux frontières intérieures et un meilleur filtrage des demandeurs d'asile aux frontières extérieures. Mais voilà, l'espace Schengen est l'un des dossiers les plus explosifs à Bruxelles. En 2012, l'ancien président Nicolas Sarkozy, candidat à sa réélection, avait déjà proposé de le réformer mais personne n'y est parvenu en 35 ans d'existence. L'attaque de Vienne a fourni à Emmanuel Macron un allié à deux mois du début de la présidence française de l'Union, Sébastien Kurz, le chancelier autrichien pour qui la protection des frontières doit faire partie de la réponse des 27 à l'islamisme radical.